5 fake news et une seule grosse tête qui dit la vérité. Oui, mais laquelle? Commençons par Franck Ferrand. Alors, écoutez ça. Les bars, les restaurants, les musées, les théâtres, les cinémas étant fermés depuis fin octobre et les chiffres de la pandémie n'étant toujours pas suffisamment bons aux yeux du Conseil scientifique, Emmanuel Macron aurait suggéré qu'on adopte une stratégie inverse. On ferme le Conseil scientifique et on rouvre tout le reste. Jean-Jacques Perroni. Confirmation de l'Académie de médecine. Le professeur Delfrécy s'est tellement fait remonter les bretelles par l'Élysée que c'est bien ses couilles qu'on peut voir sous ses yeux. Heureusement qu'il porte un masque. Valérie Mérès. Suite à la recommandation du conseil médical de se taire dans le métro pour ne pas propager le virus, la RATP décide que tous les passagers devront descendre à la muette. Jean-Phi Janssen. Oui, la chanson « I'm a Barbie girl in a Barbie world, life plastic, it's fantastic » vient d'être reprise par le chanteur Booba. Michel Bernier. Innovation culinaire. M6 a récompensé son meilleur pâtissier de France pour sa tarte aux pommes futuriste à base d'iPhone Apple. Titoff. Le directeur des laboratoires Sanofi a tenu à signaler dans la matinale de RTL qu'il n'avait pris aucun retard sur le vaccin. C'est juste les autres qui sont allés trop vite. Mais oui, mais c'est, vrai, c'est évident. Virginie, alors à votre avis, qui a dit la vérité parmi mes grosses têtes? Par élimination, même si la stratégie inverse serait une bonne idée, mais peut-être pour entendre encore Jean-Phi chanter la chanson Barbie Girl. vous pensez que Booba reprendrait Fouet-Marcel? Alors attendez, si je reprends tout... I'm a Barbie girl in a Barbie world, life plastic, it's fantastic. On dirait vraiment Booba. N'articulez pas trop, n'articulez pas trop parce qu'il y a vraiment le plastique qui se tire là. Bon, le pâtissier, non. Delfrécy, non plus. Ah, c'est vrai qu'il s'est fait remonter les bretelles. Bon, de là à ce que ses parties génitales remontent jusque sous les yeux, n'exagérons rien, monsieur Perroni. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. On va me la donner. T'as un verre de pastis. Moi, je suis obéissant, je lis ce qu'on me donne. Hein. Mais ça te plaisait. Ah, ouais. Bah, beaucoup. Bon, alors, non, mais je voudrais donc, pas. Oui, bah, je vais rester sur Jean-Phi, alors. Je vais rester sur Jean-Phi. Voilà, restez sur Jean-Phi, il y a longtemps que ça ne lui est pas arrivé. Oui. C'est bien Booba qui a décidé de reprendre la chanson à Yves Berbic. Ça paraît improbable. C'est dingue, ça. Mais je vous jure que c'est vrai. Alors, on peut peut-être écouter la première version, la version originale d'I Am a Barbie Girl. Elle est très ironique. Et voilà la version maintenant de Booba qui vient de sortir. Allez. Grâce à Booba, vous partez aux Flamants Roses, Virginie. Bravo!